Alors bonjour et bienvenue sur l'émission La Automation Live, donc la première émission dédiée aux automaticiens de la francophonie. Donc aujourd'hui, on va faire une petite présentation sur l'automate Rockwell, donc le Compact Logix. Bon, parce que on a présenté durant plusieurs donc vidéos pour ceux qui ont suivi donc les dernières lives. On a donc parlé pas mal de tout ce qui est automate Siemens. Donc actuellement, faut qu'on essaie de diversifier un peu avec les autres marques d'automates. Donc dans les prochaines lives ou prochaines émissions, on va parler donc de ce qui est automate, donc Rockwell ou bien automate Schneider, etc. Donc ce live en question, ça va traiter donc de l'automate Rockwell. Donc plus spécifiquement, ça va traiter de l'automate Compact Logix. Donc là, j'ai un petit automate. Je vais juste faire une petite présentation de cet automate-là. Donc là, on a un automate Compact Logix. Vous pourrez le voir ici. Donc c'est un petit automate compact, comme son nom l'indique, avec ici une clé qui permet donc de passer donc l'automate en run ou bien en mode programmation. Donc lorsqu'on a déjà effectué la programmation et qu'on veut passer au mode de en marche, en run. Donc, on déplace juste ici la clé. On déplace la clé et c'est correct. Donc, salut Aline Doy, ça va? J'espère que tu vas bien. On déplace juste la clé pour mettre donc le programme en run. Donc, ici, pour l'interface, les interfaces de connexion, il y en a deux. Donc, il y a ici, comme première interface de connexion, il y a donc du RJ45. Donc, c'est un câble Ethernet, hein, pour faire la connexion donc entre le PC de programmation et l'automate. Donc ça c'est la première donc interface de connexion. Comme deuxième interface de connexion, ici il y a une interface donc un port DB9 qui permet aussi de s'interfacer avec un PC de programmation. Donc il y a deux choix qu'on peut effectuer. Voilà. Maintenant, si on rentre plus en détail, ici on a tout ce qui est entrée. Salut Imad. Bonjour Imad. Bonjour Ludovic. Voilà, bonjour tout le monde. Vous êtes d'où? Vous pouvez mettre au niveau des commentaires. Donc, vous êtes de quel pays, etc. Donc, Alindo, je sais. Alindo, je le connais déjà. Donc, lui, il est du Sénégal. Imad, je ne sais pas. Si tu peux, si vous pouvez donc mettre vos lieux de provenance, comme ça on pourra donc mettre connaître donc le lieu de provenance de tous ceux qui participent. Voilà. Donc là, pour poursuivre, donc là c'est entrée, ici c'est sortie. Voilà. Bon, c'est un automate donc assez simple, comme pour les ça ressemble un peu aux automates. Voilà. Ludovic nous dit qu'il est il est automaticien, électromécanicien, comme il a mis au niveau donc du titre, donc électromécanicien depuis la France. Donc, bonjour à tous les automaticiens depuis la France. Brahima Touré nous salue depuis la Côte d'Ivoire. Donc, bienvenue, donc, Brahima Touré depuis la Côte d'Ivoire. Donc, tiens, donc, normalement, en septembre, pour Brahim, normalement, en septembre, mi-septembre, normalement, donc, je serai en Côte d'Ivoire. Donc, ce sera peut-être l'opportunité de se rencontrer. Donc, je serai en Côte d'Ivoire du 15 septembre jusqu'au 25 septembre. Donc, là, je serai à Abidjan. Donc, ce sera donc une opportunité de se rencontrer sur Abidjan. Ousmane Dramé, bonsoir Ousmane Dramé. Donc, là, Alindo du Sénégal. Oui, toi, ouais, Alindo, je te connais déjà. En plus, le nom, c'est le nom sénégalais, donc ça va. Donc, voilà. Donc, en fait, le Compact Logix, c'est assez simple à utiliser. C'est comme pour les automates Siemens. Donc, ici, il a des entrées-sorties intégrées, hein. Il y a les entrées et les sorties dans le même boîtier. Donc, il n'y a pas besoin d'ajouter d'autres modules supplémentaires. Donc, tout peut être ajouté au niveau du même boîtier. Donc, ça facilite grandement les choses. Donc, on n'a pas besoin d'acheter d'autres modules supplémentaires. Bon, ça ressemble grandement aux automates Siemens. Je sais qu'il y a pas mal de personnes ici qui utilisent. Bon, presque tout le monde utilise du Siemens ici. Donc, mais ici, c'est juste
un petit donc aperçu des d'autres types d'automates comme ici l'automate Rockwell. Donc voilà. Bonsoir Djilali, ouais, Djilali, DZ, Djilali depuis donc l'Algérie. Donc bonsoir Djilali depuis l'Algérie. Comme logiciel de programmation, donc là je vais juste vous montrer donc ceux qui ont déjà eu à travailler avec les automates Rockwell, ils le connaissent déjà. Donc c'est le RS Logix 5000. Donc il y a plusieurs, hein, il y a le RS Logix 500 qui permettait de programmer les anciennes ou bien les automates Rockwell basse gamme comme la gamme MicroLogix, etc. Après le RS Logix 500, il y a donc le RS Logix 5000. Et après, il y a le Studio 5000. Donc, le Studio 5000, en fait, c'est juste un IDE qui englobe la partie simulation, donc RS Emulate, et la partie donc, communication, le RS Links. En fait, RS Links, ça permet de configurer tout ce qui est communication avec l'automate. Donc, en gros, pour se connecter donc, avec l'automate, on aura besoin de trois logiciels. Donc, il y a le RS Logix. Bon, pour ce compact logique en tout cas, le RS Logic 5000 qui permet donc là de faire la programmation, que ce soit dans les différents types de langages, que ce soit comme les langages ladder, etc. Donc les langages IEC. Après, il y a le RS Logix, pardon, le RS Links qui permettra donc d'assurer la communication donc, entre l'automate et le PC. Donc c'est sur ce RS Links que se trouve donc le driver de communication. Après, il y a le RS Emulate, c'est comme TIA Portal. Donc, TIA Portal aussi dispose donc d'une partie simulation, PLC SIM que vous connaissez tous. Donc, sur les automates Rockwell aussi, il y a le RS Emulate qui permet donc de faire la partie simulation. Voilà. Donc, bonsoir, oui, bonsoir Baudelaire, Basikalin. Bon, j'ai un peu de difficulté à prononcer votre nom. Mais je pense que vous êtes de la Côte d'Ivoire. Je pense que je reconnais votre nom, Baudelaire. Donc, pour le logiciel RS Logix 5000, ça se présente sous cette forme. Donc là, je vais juste le mettre. Donc, on l'a ici. On a donc RS Logix 5000 qui est ici. Donc, voilà. C'est comme donc les logiciels classiques, hein. Il y a le file, édition, view, etc. Donc là, je vais essayer de créer un petit projet. Bon, je ne vais pas rentrer dans la programmation, je vais juste créer un projet pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble à peu près. Donc là, je vais faire new. OK. Donc là, pour choisir le modèle en question, c'est comme pour les autres logiciels, on choisit directement ici le modèle. Pour ce qui nous concerne ici, le modèle en question, c'est le L23 EQB1B. Donc là, je vais le choisir ici. Donc L23 EQL1B. Donc c'est celui-là. Moi, je l'ai dépassé. L23. Voilà, c'est celui-là. Donc là, je l'ai ajouté. Après, je donne juste un nom ici. Donc là, je vais l'appeler premier projet, comme nom, hein, nom symbolique. Premier projet, et je clique sur OK. Donc là, il a rajouté le projet. Il a rajouté donc l'automate en question. Ici, il y a un nouveau, donc un arborescence qui a été ajouté juste ici. Donc c'est au niveau d'ici qu'on va pouvoir donc ajouter les différentes parties donc de notre projet, que ce soit les variables, le programme, etc., etc. Donc ça, on va pouvoir le voir donc dans un autre live. Donc ça, c'était juste un premier live pour présenter donc le logiciel et l'automate en question. Donc voilà. Donc pour l'automate, ceux qui n'ont jamais eu à travailler avec les automates Rockwell, oui, donc la gamme Allen Bradley. Je vous conseille donc vivement cet automate-là. Le Compact Logix, donc ça ressemble vachement aux automates Siemens. Ils sont
Ils sont compacts avec entrée et sortie intégrée. Et pour l'interface de communication, on peut avoir deux. Donc, une interface pour Profinet, bon, pas Profinet pour ce cas-là, Ethernet IP pour les automates web. Donc, c'est le port RJ45 ou bien donc une interface donc série donc avec le port DB9. Donc, on a ces deux types d'interfaces qui permettent donc de s'interfacer avec un PC très facilement, très facilement. OK. Donc, c'est les nouvelles gammes. Momodou Kital dit c'est les nouvelles gammes de top. Non, ce n'est pas vraiment les nouvelles gammes parce qu'au niveau de Rockwell, ils ont principalement tout ce qui est gamme contrôle logique. Bon, contrôle logique, c'est les automates haut de gamme. Hein. Après le contrôle logique, donc contrôle logique, la plupart du temps, c'est utilisé dans les process qui sont pas mal importants. Après, il y a tout ce qui est donc compact logique. Bon, compact logique, c'est tout ce qui est donc les applications moyenne gamme. Donc, pour ce genre d'automate-là, c'est la plupart du temps avec les applications donc moyenne gamme. Après, on a donc des gammes en dessous. Donc, c'est donc les gammes en dessous, c'est tout ce qui est micro-logique, etc. Donc, la gamme donc micro-logique. Tafsir Diallo nous dit: quels sont les avantages de Rockwell par rapport à Siemens? Bon, les avantages. Bon, je ne sais pas s'il y a des avantages ou inconvénients, parce que bon, tous les constructeurs ont quelques forces et faiblesses. Donc, la plupart du temps, pour les forces, en tout cas, moi, d'après ce que je relève le plus souvent, c'est surtout les forces relatives à l'environnement de développement. Donc, si l'environnement de développement permet donc de faire des tâches complexes très rapidement, la plupart du temps, on va s'orienter très facilement sur ces environnements de développement. Par exemple, moi, tout ce qui est environnement de développement, je préfère de loin l'environnement de développement de Siemens. Après, je dis pas que Rockwell a un environnement de développement donc moins fourni ou etc. Mais moi, je préfère en tout cas tout ce qui est environnement développement de Siemens. Donc, notamment avec l'IDE TIA Portal qui permet grandement de faciliter donc la conception d'un programme. Donc, tout est intégré au sein même d'un environnement de développement. On a tout ce qui est aspect API, on l'a au niveau de l'environnement. Donc, tout ce qui est programmation avec Step 7. On a donc la partie IHM avec WinCC, on a la partie Drive avec Stack Drive, etc. Donc, on a pas mal d'outils intégrés donc à l'environnement de développement TIA Portal. Donc, ça permet grandement de faciliter l'ingénierie. Donc, on peut réaliser donc tout un projet de A à Z en ne pas donc en ne pas quittant donc l'environnement de développement et faire tout le projet, que ce soit donc même la simulation aussi, c'est intégré à TIA Portal avec PXSIM, etc., etc. Donc, ça permet donc facilement de gagner en temps lors des processus, donc lors des processus de développement de projet. Après, ici, parmi vous, je ne sais pas, il y a quelques personnes qui ont déjà eu à travailler avec les automates Rockwell. Si vous avez déjà eu à travailler avec un automate Rockwell, pouvez-vous donc lister le modèle et la gamme donc d'automates sur lesquels vous avez déjà eu à travailler. Ali Prosper Quadio, salut la famille. Ali Prosper depuis la Côte d'Ivoire. Donc ouais, bonjour et coucou donc à tous les Ivoiriens. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, donc je serai en Côte d'Ivoire en septembre, donc du 15 septembre jusqu'au 25 septembre. Donc, ce sera l'opportunité pour tous les automaticiens donc, de la Côte d'Ivoire. Donc, rendez-vous en septembre à Abidjan. Donc, du coup, quels sont ceux qui ont déjà eu à travailler avec les automates Rockwell et quel modèle d'automate Rockwell avez-vous déjà à utiliser donc, dans vos projets ou bien dans votre cursus, etc. Tout en sachant que concernant tout ce qui est contrôleur,
Bon, il faut se le dire, hein, Siemens rafle la mise. Donc, ils sont présents presque partout, hein, que ce soit dans les régions, donc dans les zones géographiques comme en Europe. Donc, en Europe, ils sont très présents. En Afrique aussi, on rencontre beaucoup de Siemens. Donc, moi, tous les automaticiens avec lequel j'ai eu à discuter, donc la plupart du temps, ils m'ont dit qu'ils utilisent du Siemens. Donc, tout le monde utilise du Siemens. Après, pour les autres modèles, que ce soit donc les automates Schneider ou bien automates Rockwell ou bien automates Omron, etc., il y en a, mais c'est beaucoup moins utilisé que Siemens, en tout cas, que ce soit en Europe, en France ou bien en Afrique. Donc, Rodolphe Milongo nous dit, je travaille régulièrement avec les automates Control Logix et Compact Logix. Donc, parfait, parfait, Milongo, Rodolphe. Donc, vous travaillez dans quel secteur, Rodolphe? Vous êtes dans quelle zone géographique? Vous êtes en Afrique ou en Europe? Je ne sais pas, vous pouvez vous préciser. Tafsir Diallo, j'ai déjà eu à développer avec Studio 5000 et RS Logix, RS Studio. Bon, Studio 5000. Voilà. Sur Compact Logix, aux US, Rockwell est très répandu par rapport à Siemens. Effectivement, donc tout ce qui est automate Rockwell, c'est vachement utilisé donc, dans tout ce qui est donc au niveau donc du continent américain, donc aux États-Unis principalement. Donc on rencontre principalement du Rockwell. Donc même si Siemens aussi commence à être utilisé là-bas. Donc la bataille se fait entre Rockwell et Siemens. En France, avant, il y avait du Schneider qui était pas mal utilisé, donc surtout au niveau des écoles, donc les lycées techniques, les universités, etc. Après, actuellement, Siemens commence à quand même à prendre pas mal d'ampleur au niveau donc des universités, écoles d'ingénieurs, lycées techniques. Il y a pas mal de Siemens. Donc, je pense Siemens c'est le principal donc c'est les automates Siemens que l'on utilise le plus, en tout cas en France, si je ne me trompe pas. Rodolphe nous dit, je suis dans le domaine de l'oil and gas au Gabon, précisément à Port-Gentil. OK. Donc, salutations à tous les Gabonais et Gabonaises. Voilà. Donc, Rockwell, oui. Rockwell, c'est pas mal utilisé aussi. Donc, la plupart du temps, c'est ce triptyque-là. En fait, il y a Siemens, il y a Rockwell, il y a Schneider. Après, il y a les marques plus donc, exotiques, comme tout ce qui est Omron, Mitsubishi et autres. Donc, et tout ce qui est Delta, marques chinoises, etc., qui sont donc utilisées de temps en temps. Mais la plupart du temps, c'est ces trois grandes marques-là qui sont les plus utilisées. Donc, il y a du tout, hein. Il y a donc Allemagne, marque allemande pour Siemens, marque française pour Schneider et marque donc américaine pour Rockwell. Et concernant les logiciels de supervision, lesquels utilisez-vous le plus souvent? Abdou Karim Traoré nous dit Connected Workbench. Rockwell is free to download. Effectivement, le Workbench c'est un peu difficile à prononcer même. Oui, effectivement, maintenant, c'est libre en téléchargement. Même, je pense, si je ne me trompe pas, le RS Logix 500, maintenant aussi, c'est libre en téléchargement, si je ne me trompe pas. Mais il faut s'informer. Je pense les deux, Connect Workbench et le RS Logix 500, en tout cas, les deux, ils sont en libre téléchargement. Donc, ceux qui veulent
peut-être s'initier aux automates Rockwell. Ils peuvent déjà démarrer avec ces deux logiciels-là. Après, je ne sais pas si la partie émulette est comprise, donc est en libre téléchargement. Si la partie RSLinux et RSEmulette 500 sont libres en téléchargement. Mais je pense bien que le RS Logic 500, en tout cas, il est libre en téléchargement. Tafsir Diallo, OK, fait de même ici, en s'investissant dans les lycées et universités. C'est presque les numéros 1 aux US dans le domaine de l'innovation. Ah, bah oui, c'est normal. Parce qu'ils sont américains. Vu qu'ils sont américains, eux aussi, ils vont essayer d'essayer au moins de conquérir l'Amérique. Après, moi, c'est la France qui m'étonne un peu. Parce qu'une marque française, normalement, avec Schneider, ils devaient être... Je ne sais pas s'ils sont leaders, parce que je ne connais pas... Je n'ai pas les statistiques sous les yeux. Je ne connais pas les statistiques. Mais normalement, Schneider devait être leader en France, en tout cas. Parce que c'est une marque française. En plus... avant la gamme Schneider, surtout avec l'ancienne gamme télémécanique, c'était donc pas mal utilisé en France. Actuellement, ils ont commencé à être dépassés un peu par Siemens. Donc, ils ont un peu laissé la place à Siemens qui commence à prendre, prendre du terrain un peu, petit à petit. Donc, cher Tidiane Ndiaye, Rockwell est très convivial en dev, interface très, très claire et purée. Je trouve que dans la gestion des variables, elle est meilleure que Siemens. Entre contrôle d'axe, machine séquentielle, câble numérique, ils sont très bien. Par contre, niveau IHM, c'est zéro. Je ne sais pas. Je suis trop Siemens, c'est pourquoi... les autres environnements de développement, je les utilise, mais je préfère Siemens. Oui, par contre, avec niveau IHM, oui, avec Factory Talk, en tout cas, niveau IDE, surtout avec WinCC, WinCC quand même, l'intégration entre WinCC et Step7, c'est très fluide en fait, donc il n'y a même pas les variables que tu crées au niveau de ton automate, donc sur Step7, donc tu les vois automatiquement sur WinCC, donc en faisant donc une liaison ou bien en important les variables, donc c'est quand même assez puissant comme fonctionnalité aussi. Ah, aussi ils sont oui, ça, pour cher Tidiane, là, t'as vraiment raison, en fait. Donc, pour tout ce qui est donc, matériel, que ce soit donc, du Schneider ou bien du Rockwell, ce sont des matériels très, très, très chers, donc, comparé à Siemens. Donc, après, ce n'est pas tous les gammes. Hein. Donc, il y a des gammes qui sont beaucoup plus abordables. Par exemple, ce Compact Logix, il est beaucoup plus abordable que le Control Logix. Par contre... même si c'est abordable, un S7 1500, il est beaucoup moins cher que ce Compact Logix là. Parce que Compact Logix, c'est pas une nouvelle gamme, hein, ça fait partie des anciens modèles, mais il est quand même, c'est pas donné en fait, il est pas mal cher en fait. Comparé par exemple au S7 1200, même avec tu peux acheter un automate S7 1209, mais pour un Compact Logix 9 un nouveau modèle, c'est pas donné en fait. Même chose pour Schneider. Bon, pour Schneider, peut-être tout ce qui est gamme M220, M240, etc. Mais tout ce qui est gamme Modicon, etc. Donc, notamment les Modicon M340, M580, c'est pas donné. J'utilise, cher Tidiane Gaï dit, j'utilise des automates Rockwell, mais avec des afficheurs Proface. Ouais, pas mal aussi. Les afficheurs Proface, c'est vrai, ils sont pas mal utilisés aussi, hein, parce que niveau prix quand même, ils sont pas mal niveau prix. Donc, que ce soit les afficheurs Proface ou bien les afficheurs de type Unitronix. J'aime bien aussi les afficheurs de type Unitronix.
Ils intègrent tout ce qui est donc connectivité, mais aussi ils sont pas mal. Aussi le logiciel de programmation. Je ne sais pas pour Proface. Non, Proface, le logiciel n'est pas gratuit. Mais pour Unitronics, le logiciel de programmation, Visual Logic, il est gratuit. Donc tu peux concevoir ton application donc de manière gratuite. Ouais, Bamba Koulibaly dit. Logic 500 est libre en téléchargement. Voilà. Donc là, je ne m'étais pas trompé. Oui, effectivement. L'RS Logic 500, il est libre en téléchargement. Après, c'est les gammes supérieures comme le Studio 5000 ou bien le RS Logic 5000 qui sont donc payants. Et tout ce qui est RS Logic 500, c'est libre en téléchargement. Donc, c'est déjà un petit logiciel qui, pour ceux qui débutent ou bien ceux qui veulent s'initier à la programmation sur OGL, ils pourront démarrer avec celui-là. Donc, Imad nous dit, je suis apprenti ingénieur à INSA Lyon et on utilise des chaînes électriques. OK, donc vous utilisez quel modèle plus particulièrement, Imad? Donc, j'imagine le M340. Vous utilisez principalement du Schneider ou bien vous avez d'autres modèles, vous avez d'autres marques aussi, vous avez du Siemens et autres, ou bien vous utilisez principalement que du Schneider. Voilà. Alindo, il nous dit, dans les centrales électriques de la Senelec, donc Senelec c'est une entreprise donc d'électricité au Sénégal, il dit, il utilise donc les automates Schneider. Oui. Donc Schneider, ouais. Donc, Schneider, j'imagine donc le M340. Donc, les automates Schneider aussi, ils sont pas mal utilisés. Hein. Donc, c'est vrai que Siemens domine, mais Schneider aussi, c'est pas mal utilisé. Surtout, même avec les variateurs aussi. Donc, la gamme Altivar, etc. Les variateurs Altivar ils sont très, très, très utilisés. Donc, pour tout ce qui est variateur de vitesse, la plupart du temps, des fois même, on rencontre beaucoup plus de variateurs de vitesse Altivar que de variateurs de vitesse Siemens. Donc, la plupart du temps, c'est de l'Altivar. Tout ce qui est ABB, Danfoss, ou Synamics, donc de Siemens. Brahima Touré nous dit, je suis débutant dans le domaine de l'automatisme et souhaite avoir des orientations de formation. Vos conseils seront les bienvenus. Donc, vous êtes débutant, donc débutant comme quoi? Vous êtes actuellement en formation ou bien vous avez terminé et vous voulez donc faire de la formation continue. Donc, est-ce que vous pouvez donc préciser dans quelle situation vous vous trouvez? Donc, quelle est votre Vous êtes salarié ou bien vous êtes encore étudiant, si vous pouvez préciser. Après, pour tout ce qui est logiciel de supervision, quand même, là, c'est un peu disparate. Donc, on peut rencontrer soit du WinCC, il y a aussi du InTouch. Donc là, il y a le compresseur qui a démarré là. Donc là, je ne sais pas si vous m'entendez bien là. Voilà. Donc, pour tout ce qui est supervision, il y a tout ce qui est InTouch. Il y a aussi, ça dépend en fait ça dépend des domaines d'activité. Pour tout ce qui est donc télégestion ou bien GTB, GTC, donc la plupart du temps, on utilise tout ce qui est PC View ou bien le logiciel de TopCapi, de Areal, etc. Donc, ça dépend du domaine d'activité. Donc, tout ce qui est télégestion, donc la plupart du temps, c'est du TopCapi, ou bien du PC View, etc. Après, pour tout ce qui est donc industrie comme donc les machines spéciales, ou bien les industries minières, etc. Donc, en fonction du type donc de process, on va utiliser soit des DCS ou bien donc les logiciels de supervision classiques comme InTouch, etc.
Bamba, non. Cher Tidiane Diaye, tu as raison. La S7200 est un très bon automate en termes de rapport qualité. Surtout ça, ouais. Surtout ça. En termes de qualité, de rapport qualité-prix, c'est excellent. Moi, je vois, c'est bizarre, mais actuellement, je vois beaucoup d'usines qui commencent à utiliser ce genre l'automate S7200. Parce qu'avant, il y avait pas mal. Avant, on rencontrait plus souvent tout ce qui est S7300, etc. Donc, les S7300 étaient pas mal utilisés, mais au fur et à mesure, actuellement, je rencontre beaucoup de S7200 au niveau des usines. Bamba Koulibaly, les automates basés PC avec du code 6 customisé, style Twin 4.3, Wago, So Machine, qu'en pensez-vous? Pour ces automates-là, ça dépend. Ça dépend. Ils ont leur domaine d'application spécifique. Comme pour les automates, donc, pour les automates basés PC, par exemple, les PC industriels de type back-off, par exemple. Là, on peut les utiliser avec dans tout type de process, hein, comme les industries manufacturières ou bien au niveau donc des machines spéciales. Après, chacun a ses propres choix. Certains préféreront donc tout ce qui est PC industriel avec, par exemple, comme les PC industriels back-off. L'avantage, c'est qu'on peut utiliser un seul logiciel. Par exemple, avec back-off, on peut utiliser juste avec le logiciel Twin 4, on peut programmer plusieurs modèles de PC industriel. Vu que c'est juste le noyau qui change en fait. Pour Wago aussi, c'est la même chose. Wago utilise Code 6. ABB aussi. Bon, ABB c'est un automate, donc la plupart du temps, je ne sais pas s'il fabrique des PC industriels, mais il fabrique des automates. So Machine, ça dépend. Bon, So Machine, c'est un automate moyenne gamme de Schneider, donc avec les gammes M200, M220 ou bien M240, etc. Donc, le logiciel So Machine permet de programmer ces gammes-là. Après, ça dépend de ce qu'on veut. Si on n'a pas le budget pour acheter, par exemple, un M340 ou bien M580, on peut partir sur du M220 ou bien M240, ça dépend. Tafsir Diallo dit l'automate qui gère le parc éolien de Taïban-Diaye, donc Taïban-Diaye, Sénégal. OK, donc, et de la marque Rockwell. Donc, voilà. Donc, c'est quel modèle de Rockwell? Donc, j'imagine c'est du contrôle logique. Donc, au Sénégal aussi, on retrouve un peu de tout. Hein. On a du Siemens, on a du Rockwell, on a du Schneider, on a un peu de toutes les marques, en fait. Donc, on a même des automates plus exotiques, marques chinoises, etc. Cher Tidiane Yaï nous dit en base PC, Rockwell est top. Oui, bon, Rockwell aussi est pas mal en automate base PC. Bon, de toute façon, il fabrique que ça. Hein. Je ne sais pas s'il fabrique des automates en tant que tel. Je pense qu'il fabrique des PC industriels avec comme logiciel Twin 4. Je ne pense pas qu'il fabrique des automates comme les autres. Temps de cycle, oui, voilà. Pour le temps de cycle des automates back-off, c'est pas mal. Bon, ils disent qu'ils ont les meilleures performances en termes de temps de cycle. Idéal pour programmer des dosages de 8 mètres. Oui, ouais, ça peut être utilisé pour lorsqu'on veut faire des. Donc, lorsqu'on veut travailler sur des systèmes donc, critiques, par exemple, Brahim Touré nous dit, je suis salarié. D'accord. Si vous êtes salarié, donc c'est la formation continue qui vous arrange. Hein. Par exemple, vous pouvez voir sur quel type d'automate vous travaillez le plus souvent. Par exemple, si vous utilisez au niveau de votre usine des automates Schneider ou bien des automates Rockwell, etc. Vous allez essayer de voir quel type donc d'automate vous utilisez le plus souvent. Après, vous allez vous former dessus. Donc, pour tout ce qui est donc
partie programmation, parce que l'automatisme, ce n'est pas juste les automates, il y a d'autres parties connexes, comme tout ce qui est capteur, il y a la partie régulation, il y a la partie instrumentation, etc. Donc, mais pour tout ce qui est automate, vous relevez déjà la marque d'automate sur laquelle vous êtes habitué à travailler. Après, vous faites une formation dessus. Donc, pour les formations, soit vous faites des formations avec un cabinet de formation, ou sinon, vous pouvez vous former aussi sur YouTube. Il y a quand même pas mal de ressources, que ce soit donc en ressources vidéo ou bien en ressources fichiers PDF, donc, que vous pourrez consulter pour avancer dans ce sens. Alindoy nous dit Mitsubishi. Oui, donc Mitsubishi aussi, il est quand même pas mal utilisé aussi, hein. Même au Sénégal, il y a quand même pas mal d'usines qui utilisent le Mitsubishi. Après, c'est pas les nouveaux modèles. Je pense que la plupart du temps, ce que je vois ici, c'est les FX3U. Le FX3U que je rencontre le plus souvent. Après, les nouveaux modèles, je pense pas, parce que la plupart du temps, sur les anciennes machines, en tout cas, on rencontre ce genre de modèle-là. Brahim Touré, oui. Donc, comme je l'ai précisé tout à l'heure, vous pouvez vous former en ligne. Hein. De toute façon, il y a pas mal de ressources en automatisme qui sont disponibles en ligne. Déjà, même la ressource donc la plus facile à trouver, donc c'est le manuel du constructeur. Donc, si vous avez une gamme d'automates sur lesquels vous travaillez, le constructeur nous donne un manuel assez fourni. Après, des fois, il peut arriver qu'on n'ait pas le temps de regarder ou bien de consulter le manuel. Parce que la plupart du temps, c'est ça en fait. Le problème n'est pas qu'on n'a pas d'informations. Le problème, c'est de pouvoir traiter la bonne information, de chercher la bonne information déjà et de pouvoir l'exploiter. Parce que déjà, si on a un manuel qui est constitué de plusieurs milliers de pages, donc, la plupart du temps, pour aller à l'essentiel, faut être habitué à faire des recherches. Donc, si vous êtes habitué à faire des recherches, vous pouvez facilement vous trouver si vous avez une panne quelconque. La plupart du temps, vous avez quasi tout au niveau des manuels constructeurs. Après, il se peut que certains problèmes ne soient pas peut-être répertoriés dans les manuels. Après, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus complexe, mais la plupart du temps, on peut trouver pas mal d'informations, en tout cas au niveau Donc voilà. Donc, si vous pouvez m'indiquer quels sont vos secteurs d'activité, soit vous êtes en bureau d'études, vous travaillez dans la maintenance industrielle, vous êtes dans l'instrumentation, etc. Comme ça, on pourra voir quels sont donc les différents domaines d'activité de chacun. Donc pour tout ce qui est l'automatisme Rockwell, en tout cas, on va en parler dans les prochains live ou bien prochains tutoriels, parce que j'ai quand même pas mal parlé de tomates Siemens. Donc, des fois, même on me dit, est-ce que tu travailles chez Siemens? Je dis, non, je ne travaille pas chez Siemens. Parce que tout le monde me dit que je parle trop souvent de Siemens. Donc là, on va changer de tomates. On va parler de tomates Rockwell. Donc, on va aller donc chez les Américains. Donc, le prochain tutoriel ou prochaine présentation, ce sera donc sur les automates Rockwell. On va passer de l'autre côté. On va aller aux États-Unis, on va voir les Américains là-bas. Donc, les Allemands, on vous aime bien, mais il faut qu'on change quand même. Donc là, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce live d'aujourd'hui. C'était juste une première prise de contact. Tu es un peu. Cher Tidiane nous dit, Moubacar, tu es un pro de Siemens. Moi, je ne sais pas si je suis un pro. Peut-être j'aime bien Siemens, mais je ne sais pas si je suis un pro de Siemens.
Mais il faut varier les plats, en fait. Il ne faut pas manger tout le temps donc, du riz au poisson. Des fois, il faut manger du mafé ou bien tu manges d'autres plats, en fait. C'est pas bien. Sinon, c'est bien de mélanger, en fait, les plats. Voilà. Donc, d'ailleurs, je l'avais indiqué au niveau donc, de ma page LinkedIn. Donc, dès septembre, il y aura donc, une interview avec Jean-Marc, donc avec Jean-Romain Bardet, donc concepteur, donc CEO de la startup donc Scorp.io. Donc c'est un logiciel donc de SCADA, donc no code. Donc lors de de l'interview, on va parler plus en détail donc de la solution donc Scorp.io pour voir quelles sont les différences déjà avec les solutions de SCADA classique. Donc là, on verra ça lors de l'interview en septembre. Tu verras, Rockwell n'est pas mal. Oui, j'en doute pas, cher Tidiane. Parce qu'en fait, moi, j'avais déjà utilisé du Rockwell hein, à l'époque. J'avais déjà travaillé sur du RS Logic C5000. Après, bon, j'ai laissé un peu tomber donc au fur et à mesure pour du Siemens, mais c'était plus l'environnement de développement que j'aimais pas trop, mais je pense que je vais m'y mettre en tout cas. Alindo nous dit automatisme et instrumentation. Ok, donc là, tu fais les deux secteurs les plus importants, donc que ce soit des usines ou bien des lignes de production, donc partie capteur et partie donc contrôle commande. Donc c'est assez complet. Donc voilà, on se donne rendez-vous donc au prochain live. Pour le moment, je sais pas c'est quand on va le faire. Mais c'est pas justement hein, aujourd'hui aussi, il y a pas mal de personnes qui mangent du Siemens, hein. Je sais pas, bon, Siemens, je sais pas si c'est Siemens qui est fort ou bien c'est leurs produits qui sont excellents, mais il y a pas mal de personnes qui parlent de Siemens. Merci pour la présentation et vive le mafia. Voilà, vive le mafia, il faut qu'on change quand même. Faut qu'on aille voir les Américains. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous donc au prochain live. On va parler donc d'autres choses intéressantes qui vont donc pouvoir profiter à tout le monde. Donc, je vous dis donc bonne soirée et à la prochaine. Voilà. Et merci Moustapha Diop. Merci Tafsir Diallo aussi. Merci Cheikh Tidiane Ndiaye. Merci à tout le monde. Brahim Touré aussi. Voilà, donc à la prochaine.